C'est un oiseau! Mais non, c'est un porteur de projet! Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il vient d'obtenir des fonds européens. Ah. Un beau jour, elle découvrit qu'elle avait la main verte. Dès lors, elle décida de consacrer sa vie à nourrir les hommes tout en préservant la planète. Mais à quoi bon produire des fruits et légumes respectueux de l'environnement si l'on doit compromettre l'avenir de la Terre en les transportant loin vers les consommateurs? Notre héroïne mit alors au point un plan d'une incroyable lucidité. Elle vendrait ses produits directement aux consommateurs. Elle construirait un bâtiment de stockage pour garantir la fraîcheur de ses produits. Elle demanderait un financement de l'Europe pour réaliser son idée. Et elle se ferait accompagner dans ses démarches par la région Normandie. Mais même les porteurs de projets les plus clairvoyants peuvent se perdre dans le labyrinthe de règles qui régissent les fonds européens. Guidée par l'évidence de son projet et avec l'aide de la région Normandie, elle poursuivit son chemin sans perdre courage et put enfin obtenir son financement européen. Et c'est ainsi qu'à la ferme de Torchy s'épanouit aujourd'hui le principe du circuit court.